Le coup d'envoi de Norvège-France, une rencontre pas comme les autres depuis que la France a remporté le mondial à la maison face au pays hôte. Aujourd'hui, pas très loin de Bergen, les Norvégiens espèrent s'imposer face à des bleus très séduisants lors de leur première sortie face au Danemark. L'exemplaire, oui. Gerte Myrhol. Timothée Nguessant, énorme. La cartouche de Timothée Nguessant, pleine lucarne pour le but du 3-2. Nicolas Clerc, prêt, Timothée Nguessant, voilà, on a repris de la distance. Et c'est bien glissé de la part de Luka Karabatic. Et nouvelle énorme arrêt de l'homme fort pour le moment de ce début de rencontre, Thorbjørn Bergerud. La passe audacieuse et le ballon récupéré, il n'y a pas de gardien. Allez Nedim, il est repris, c'est compliqué. Énorme. La passe géniale de Nedim Remili à l'opposé pour son partenaire au PSG. Ouais, c'est bien joué. Rien du tout. On aurait pu revenir ou siffler 7 mètres bien aisément. Le tir, super. Quelle pépite de la part d'un grand Nedim Remili. Nedim ravi de retrouver Sander Sagosen avec qui il s'est longuement entretenu. Ils ont joué à la bagarre même pendant C'est très bien ce que réalise la finition. La finition aussi. Les Français, d'autant plus qu'ils évoluent en infériorité numérique, encore une minute, ils sont obligés de sortir. L'entrée de Yannis Len côté droit et un Nedim Remili époustouflant, vraiment imprenable. De nouveau au complet. Hankins, troisième but pour Hankins dans cette seconde période. Rankin avec Vildalen, c'est le festival Vildalen et Gullerud. Ceci dit, c'était pas si bête que ça. Cette fois, il a été plus heureux, Bergerud. Attention, les Norvégiens ont l'occasion d'en venir à 3 buts, c'est fait. Oui, ça va pour Lucas en bout de banc. Oh, quel petit là aussi de Tonessen. Allez, empêcher de servir les ailes le public de la Sotra Arena debout pour ces derniers instants. Espen Liansen n'a pas de solution. Allez, dans le bloc central. Et la solution trouvée par Jakobsen. Allez, un gros temps fort et ce sera terminé. Nicolas Clerc, on repasse par Valentin Paul. Ballon perdu. Oh, les 5 dernières secondes. 4, 3, 2, 1. Incroyable. 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 Ah, c'est gâché, vraiment. Oui, complètement gâché. Là, le travail effectué pendant 3 quarts d'heure est complètement gâché. Les Français se sont pris un coup sur la tête. Comme quoi, il ne faut jamais présager de rien. Même quand tout semble évident, la France qui aurait pu, qui aurait dû 150 fois s'imposer, laisse la Norvège revenir à égalité sur ses derniers instants. C'est ballot.